MAP Burundi Buhire s'est exprimé plusieurs fois sur cette commission Vérité et Réconciliation. Premièrement, suggéra que même la façon dont elle a été mise en place, c'est vraiment d'une manière téléguidée par le pouvoir de Bujumbura, parce que vous savez, selon les accords d'Arusha, cette commission devrait être en tout cas mise en place par un organe international, surtout les Nations Unies, pour qu'il n'y ait pas vraiment des penchants d'un côté ou d'un autre dans les massacres qui se sont commis au Burundi. Alors, pour le moment, ce que nous voyons, c'est que, effectivement, comme la commission a été mise en place par le gouvernement du Burundi, qui est dominé, il faut le dire, par les Hutus maintenant, c'est-à-dire que nous voyons qu'il y a quand même une main du gouvernement dans ce rapport qui, d'ailleurs, proclame d'une manière très sérieuse qu'il y a eu le génocide contre les Hutus au Burundi. Ici, j'aimerais insister en disant qu'aucune personne, en tout cas, qui connaît très bien l'histoire du Burundi, ne peut nier qu'il y a eu des massacres et des crimes contre l'humanité au Burundi en 1972, du côté des Tutsis et du côté des Hutus. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'on aurait aimé avoir une commission, en tout cas un tribunal international, qui est habilité à vraiment à mener des enquêtes sans toutefois avoir des penchants d'un côté ou d'un autre, pour que les Burundais puissent en tout cas croire à son rapport. Seulement, ce que nous voyons maintenant, c'est que il y a une précipitation qui ne peut être expliquée que par la volonté du pouvoir de montrer que les seuls Hutus ont quand même eu à faire face à un génocide préparé par le pouvoir de Micombero. Même si le Parlement, dans son rapport, parle aussi d'autres massacres des Tutsis et des Twa, c'est juste pour signifier qu'il y a eu une enquête qui a touché tous les aspects des massacres du Burundi. Mais en réalité, ce qu'il voulait, c'était juste pour promulguer ce génocide contre les Hutus du Burundi. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est quand même que la commission à vérité et réconciliation a des gens qui comprennent comment les choses se passent, en tout cas, le génocide est accepté d'une manière juridique. Ils savent très bien que ce sont les Nations Unies qui doivent, en tout cas, promulguer un tel crime dans un pays, pas vraiment une commission qui est financée et téléguidée par un gouvernement qui est d'ailleurs aussi coupable de ces crimes. Aussi, j'aimerais dire et préciser ici au Burundi et à la communauté internationale que la commission avait mandat d'enquêter sur les crimes commis depuis la colonisation jusqu'en 2008. Mais ce que nous voyons, cette commission Vérité et Réconciliation s'est précipitée directement à enquêter sur le génocide, sur les crimes de 1972 qu'ils ont qualifié maintenant de génocide contre les Hutus. Mais nous savons qu'avant 72, il y a eu 65, par exemple. Il y a eu même des crimes commis lors de la colonisation. Il y a eu des crimes commis après, en 1993, qui d'ailleurs, une enquête internationale avait qualifié de génocide contre les Tutsis. Il y a eu aussi des crimes commis par le CNDD-FDD entre 1995 et 2008. Cette commission n'a pas pu même toucher ces périodes sombres du pays. Elle s'est précipitée justement sur 1972 parce que politiquement, c'est significatif pour la majorité des Hutus qui sont au pouvoir à Bujumbura maintenant.